téléphone. Ah ouais, il est trop beau. Ouais. C'est ta mère qui l'a acheté? Ouais, elle me l'a offert. T'as exactement le même que Romain. Romain qui? C'est le blond là du bar. Ah, le barman. Ouais, ouais, je vois qu'il est beau lui. Il est mignon, franchement. Ouais. Ouais. Ben, quand t'es parti, il m'a offert quelques verres au bar. On a passé la soirée et après il m'a invité chez lui puisqu'il avait pas ses parents. Ah bah c'est cool. On a passé une trop bonne soirée. Ah bah tant mieux. Ouais, c'était génial. Bon, je t'avoue que ça s'est passé entre lui et moi. Non, si. Ah bah c'est bien, c'est cool. C'était trop bien. Vous êtes protégée? Ben non, parce que vu que c'était sur le moment et que ça s'est passé comme ça, on n'a pas pensé. Ça te choque pas? Non. Ben je sais pas, tu te protèges pas, le mec tu le connais pas, peut-être qu'il a des maladies, tu le connais pas plus que ça quoi. Bah ça va, c'est pas grave, c'est pas pour une fois. Entrez. Bonjour. Bonjour madame Arnaud, comment allez-vous? Très bien, merci. Je vous apporte les analyses du cinquième mois. Merci. Alors ce bébé, tout se passe bien? Tout va bien, il bouge beaucoup la nuit, il m'empêche un peu de dormir, c'est très fatigant, mais la grossesse se passe très bien. D'accord, nous allons passer à la lecture de vos résultats. Alors, vos analyses sont correctes dans l'ensemble, mais je suis dans le regret de vous annoncer que vous êtes positif au virus de l'immunodéficience humaine, madame Arnaud. Je comprends pas trop, désolée. Cela consiste en quoi exactement? Ce virus est plus connu sous le nom de VIH. Le sida, vous voulez dire? Oui. En termes généraux, c'est le sida, madame Arnaud. C'est-à-dire que mon enfant, il va naître avec le sida? Il y a de fortes probabilités, mais cela n'est pas certain. Et mon mari a le sida? Dans la logique, oui. Je suis désolée, madame.